Chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais traiter le sujet d'une amie. J'ai une amie qui vit à Paris, que je salue, s'appelle Alenka. Coucou Alenka. Et je pense que son problème et les solutions à son problème pourraient intéresser beaucoup de monde. Je vous explique la situation. Alenka vit dans un de ces nombreux petits logements, pas très bien isolés et surtout petits à Paris. Vous connaissez les problèmes d'isolation des habitations dans les grandes villes, notamment dans les bâtiments qui sont un peu vieux. Et donc, Alenka, elle a un problème parce qu'elle est locatrice dans un logement où l'eau qui sert à faire la douche est chauffée par un ballon d'eau chaude, un cumulus. Et le problème, c'est que ce cumulus, il est vétuste. Et a priori, il est rempli d'ions qui ont sédimenté pour former des dépôts calcaires, dépôts de magnésium, en quantité tellement importante qu'en fait l'appareil électrique consomme beaucoup, 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 beaucoup d'électricité pour essayer de chauffer l'eau. Il n'y arrive pas, ou en tout cas il y arrive en consommant des quantités d'énergie assez extraordinaires. Vous savez qu'un cumulus, un ballon d'eau chaude, c'est équipé d'un thermostat, c'est une sonde qui mesure la température de l'eau, et tant que l'eau n'est pas arrivé à une certaine température, l'interrupteur est ouvert, c'est-à-dire que l'appareil consomme de l'électricité. Et Alenka m'a montré son application EDF, qui lui fait une estimation à l'année de ce que lui coûte le lave-linge, en termes d'électricité, l'éclairage, le chauffe-eau. Et pour la partie chauffe-eau, elle a une somme astronomique. Je crois qu'elle en a pour 800 euros par an. Je crois que, en tout cas, je suis sûr et certain que c'est en plusieurs centaines d'euros que ça se chiffre. Or, Alenka, elle est comme ça, comparée à moi, c'est une jeune femme. Elle n'a pas des gros besoins. En plus, elle a une douche ridiculement petite. Donc, elle est vraiment dans une situation pénible. On a un gros problème, c'est parce que c'est le locataire qui paye la facture EDF et qui ne peut pas faire ce qu'il veut avec les équipements électriques du logement. Et le propriétaire s'en bat les steaks, parce que lui, c'est pas lui qui paye l'électricité. Et il n'a pas du tout envie de ressortir les bifetons pour changer le cumulus et payer l'artisan aussi. Et ça serait peut-être différent si la loi française obligeait les cumulus à être conçus de manière à ce que même un novice puisse éliminer le tartre qui a tendance à s'encrasser dans les cumulus. Par exemple, avec un simple système, un bouchon en haut, bouchon en bas, on pourrait vidanger avec du vinaigre cristal. Ça m'a l'air assez facile à faire, cette histoire, hein. Parce qu'un cumulus, c'est jamais qu'une enceinte, un récipient en métal avec une résistance, c'est-à-dire un bout de métal sur lequel on balance 230 volts et qui chauffe en opposant sa résistance au courant électrique et qui chauffe l'eau comme ça. Donc voici la solution que je propose à Alenka et tous les gens qui sont dans ce problème. Solution immédiate qui devrait soulager votre facture d'électricité et vous permettre de trouver des solutions, d'engager un dialogue avec le locataire pour essayer de trouver une solution viable pour tout le monde. C'est ceci. Ça, c'est un pulvérisateur que j'ai déjà montré sur ma chaîne dans l'épisode où je parle de Jean-Marc Jancovici. Je vous propose de récupérer un pulvérisateur. Ça, c'est le pulvérisateur qu'on utilise typiquement en agriculture, hein, ou en jardinerie. Ça coûte pas cher. Celui-là, il m'a coûté 15 euros sur Amazon. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Ce sera probablement en lien d'affiliation. Ça vous permettra de soutenir la chaîne si vous le souhaitez, tout en ayant le même prix que si vous passiez pas par ce lien d'affiliation. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, assurez-vous que votre grand-père ou vos amis, ils n'en ont pas un qui traîne dans un garage, hein, parce que c'est souvent le cas, c'est des choses très très communes, ce genre de choses. Voilà, je propose à Alenka, en fait, de remplir ce bidon. Ça, c'est un bidon de 5 litres. Pour faire votre douche, vous aurez besoin maximum de 2,5 litres. C'est pas compliqué, vous mettez 2,5 litres de temps en temps là-dedans, et vous le laissez à température ambiante dans votre logement. Parce que là aussi, vous allez être gagnant. C'est-à-dire que même en hiver, il y a fort à parier que vous chauffez la pièce principale à au moins 21 degrés. Et bien, une eau à 21 degrés, vous pouvez vous laver, il n'y a même pas besoin de la chauffer. Et pour ceux qui trouvent que c'est un peu petit, un peu léger 21 degrés, je le comprends, hein, notamment les femmes, quand elles ont beaucoup de cheveux et que c'est sale, il faut que le savon, la réaction de saponification se fasse bien, donc il faut un peu d'eau chaude. Et bien, vous utilisez une bouilloire électrique dans ce style qui vous permet vraiment de chauffer la quantité d'eau que vous voulez, voilà, et vraiment sur mesure, donc pas de gaspillage. Donc le pulvérisateur, mais en fait c'est un système de pompe, hein.
Alors je fais le guignol, mais c'est très simple. Hein. Et puis il n'y a pas besoin de donner autant de coups. Quelques coups suffisent. Hein. Et donc vous avez un embout ici qui est réglable. Parce que selon ce que vous avez besoin de faire, ça vous arrangera plus d'avoir un jet direct. Mais vous pouvez aussi avoir un jet, voyez, pour la peau, pour étaler, pour mouiller avant de passer le savon. C'est mieux d'avoir le dispersif. Après, quand il s'agit de rincer ou d'aller dans les cheveux, c'est mieux d'avoir le jet direct. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'est complètement démontable tout ça. Hein. Si vous préférez juste avoir cette partie, si vous voulez prendre cet embout, le mettre là, si vous voulez enlever cette partie, tout ça, c'est des systèmes de vis. C'est complètement démontable. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il existe des choses un peu plus confortables, un peu plus adaptées à la douche. Notamment Decathlon a fait une gamme de produits. Je n'aime pas particulièrement la marque Decathlon. Hein, n'allez pas croire que c'est un placement de produit. Je vous signale l'existence de ces produits. Je vous trouverai des choses un peu plus confortables. Je vous mettrai un lien Amazon si je trouve quelque chose d'intéressant dans la description sous la vidéo. C'est, encore une fois, c'est purement informatif. Hein. Alors j'ai oublié de vous dire que bien évidemment, il fallait en parallèle aller couper l'alimentation électrique de votre cumulus. Donc pour ça, il faut aller sur votre tableau électrique et disjoncter le fusible, le plomb, qui concerne votre cumulus. Normalement, c'est marqué sur le tableau électrique quel fusible correspond à votre ballon d'eau chaude. Même si vous n'avez pas de logo, normalement, ça fait belle lurette, ça fait des décennies que sur la plupart des tableaux électriques, même ceux particulièrement vieux, que vous avez un fusible spécifiquement pour le ballon d'eau chaude. Il est impératif de disjoncter, de débrancher, de retirer ce fusible-ci pour que le ballon d'eau chaude ne soit plus alimenté en courant électrique. Sinon, vous ne faites pas d'économie d'énergie ni d'argent. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile pour soulager votre facture d'électricité et augmenter votre maîtrise des différents postes budgétaires, l'eau, l'électricité, etc., etc. Si c'est le cas, si c'est vraiment utile, signifiez-le moi s'il vous plaît en mettant un petit commentaire de retour, en partageant vos idées, en mettant un pouce bleu si vous n'avez pas trop le temps d'écrire. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Si vous aimez ce genre de retour d'expérience, abonnez-vous. À mon avis, il y aura plusieurs vidéos sur cette chaîne qui devraient vous plaire.